J'aimerais bien avoir un gold. S'il vous plaît. Ouvre-moi un gold. Plus de dégâts 5, let's go! C'est exactement ce que je veux sur mon build. Allez, c'est parti, on a décidé d'être le plus grand slime du monde. On va essayer de manger, je sais pas, la maison, le microscope, mes voisins. Donc le but, c'est quoi? Ça va être de récolter un maximum de petites choses, vous voyez, au sol, ce qui me permet d'augmenter mon poids. Et j'ai une barre au-dessus, vous voyez, écrit niveau 1, où je dois faire 2 mg pour pouvoir avancer. Donc là, on est actuellement à 80. On peut aussi récolter des golds, on peut aussi récolter apparemment des diamants. Donc on va essayer de voir tout ça. Et là, on me donne une flèche, une indication. Faut que j'aille ici. Qu'est-ce que je peux faire ici? Ah, je peux ouvrir un coffre. Qu'est-ce que ça me donnait? Donc on a 1% de chance d'avoir un coffre de niveau 2. Sinon, ça va être un coffre gris. Et qu'est-ce qu'on chope? Let's go. Ok, on récupère un squish qui me donne un bonus de taille de 40%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, je passe directement à plus 40%. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, bah pour l'instant, là, j'ai 3 slots où je peux équiper. Donc là, ça fait quoi? Frapper le sol en infligeant 300% de dégâts aux ennemis proches. On va équiper ça tout de suite. Et on va voir si j'ai gagné en taille. J'ai pas l'impression d'avoir gagné en taille. Ah, faire des dégâts comme ça? C'est quoi? C'est ici? Ah oui, ok. Ah, ça fait des dégâts en AOE. On a un petit timer, vous pouvez voir. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, à mon avis, ça va être les premiers ennemis qu'il va falloir que j'attaque. Regardez, hop. Petite attaque en AOE, et là on récupère ici encore des microgrammes. Bon, je pense que le but au début, ça va être clairement de récupérer des microgrammes et des gold. Une fois qu'on a un maximum de gold, on va pouvoir acheter les premiers coffres. Même si on a vu qu'il y avait une petite promo, si vous achetez pour 10 coffres d'un coup, en gros ça vous coûte 900 gold. Mais nous, là, on va essayer d'y l'avoir. Ok, on récupère des gold là-dessus, quasiment les 100 gold. Oh là, on a les 100 gold, on va pouvoir aller acheter quelque chose. Hop, on ouvre. Est-ce qu'on récupère du gris, du bleu? Plus de dégâts 40%. Alors, si je vais dans l'inventaire, augmente les dégâts de 30%. Ok, ça, c'est pour quoi? C'est pour l'attaque classique? Je pense que c'est pour l'attaque classique. C'est si je veux mettre des petits coups comme ça, des petits coups de schlass. En vrai, faut alterner un petit peu l'attaque spéciale, on va dire. Des petits coups de schlass. Oh ouais, si je veux farmer. Ah, c'est le jeu du farm, ça. Oh là là, j'ai failli prendre des... Oh, mais j'ai pris des dégâts, je suis à 16 PV, 18 PV. Attendez, là, on farm. Faut pas trop rester longtemps là-dessus. Je sais pas si il régène, on va dire. Oh, j'adore ces jeux-là. C'est mon petit plaisir coupable. Boum! Allez! On a 260 gold. On va pouvoir acheter. En vrai, j'hésite à acheter 10 coffres d'un coup. Oh, mais attendez, j'ai pas vu qu'avec des coffres rares. Ah ouais, mais les coffres rares, c'est ça coûte des gemmes. Ah ouais, on peut avoir du brillant, du prismatique, du niveau 4. Ah oui. Attends, le niveau 2 pour débloquer. Ah d'accord, donc après j'aurais peut-être plus de chances d'avoir du niveau 2, 3, 4 et ainsi de suite. D'accord. Bon, on va quand même s'ouvrir deux coffres. Le petit opening. Let's go. Plus de santé. Ok, ça me va. Et qu'est-ce qu'on chope? Bonus de taille pour tirer. Alors, c'est quoi tirer? Inflige un projectile à l'avant qui inflige 400% de dégâts et la santé maximale plus 40%. Je pourrais essayer de débloquer ça pour 100 gemmes. Ah, j'ai pas 100 gemmes encore. Ah oui! Ah, par contre, le temps de recharge est assez long, je trouve, là-dessus, sur le tir. Mais ça permet... Oh ouais, non, non, mais le saut, là, ah ouais, c'est vraiment goldé. Oh, peut-être qu'il faut peut-être pas que je reste là. En vrai, je pense que le tir, je vais presque le retirer. Hop. On a des combats gratuits? C'est quoi? Combat automatique, gratuit? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, bah, je pense que c'est un truc qu'il faudra utiliser plus tard. T'as du farming auto. Oh, j'ai eu un slime vert, plus 20. D'accord. Est-ce que je peux les éclater? Ah, je pourrais les éclater, honnêtement. Vas-y. Oh ouais, ça donne plus de slime. On a quasiment fait un quart de ma mission en termes de poids, hein, en microgrammes, vous voyez. Hop. C'est quoi ça? Est-ce que je peux avoir ça? Oh non, j'ai eu un slime de moule. Attention. Oh, quoique, en vrai, je peux le déboîter, hein. Regardez, encore une attaque, le slime de moule. Tu as moi, slime de moule. Oh oui! On a eu un slime de moule. Et ça, c'était quoi? C'était comme slime? J'arrive pas à savoir. Ça, c'est peut-être même pas des slimes. C'est peut-être encore plus petit qu'un slime. Regardez, on va essayer de sortir la boîte de Petri. On a quasiment fait la moitié. Oh, peut-être que je m'avance un peu. Oh, un slime de virus! Plus 70! Oh, attendez, il y a même un puzzle. Ah, attendez. Ah, quand je dis un puzzle, c'est voilà le côté... genre, il faut... Oh, faut passer au-dessus. Un slime d'amiba. Je sais même pas ce que c'est un amiba. Ok, oh! Y'a un Devilman! Y'a un Devilman! Le slime d'ADN! Sans gemmes. Ah oui! En fait, c'est ça les gemmes. C'est comme ça que je peux les récupérer. Ça, slime atomique, ok. Je peux pas l'avoir. Je commence à être gros là. Je commence à être assez fat, les gars. Regardez.
Boum, petit tower. Ah, par contre, le CD est assez long. Je pense qu'il faut que j'essaie d'alterner un petit peu. On va spammer, hein. C'est le jeu du spam, excusez-moi. Regardez, on se déplace. Oh là là, moi qui sors de Hades 2, on n'est pas au même niveau. Bon, après, il n'y a pas la même subtilité de build, hein, c'est sûr, mais... Oh, regardez-moi ça. Bouge, bouge. Oh, je suis Keblo. Je suis Keblo de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je fasse un chiffre. Ah, j'étais bloqué. J'étais bloqué, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, j'ai dû bloquer mon clavier sur une touche. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas exactement ce que j'ai perdu. Ok, on récupère des golds. Je sais pas si ça vaut le coup de farmer la zone avant de passer à la prochaine zone. J'imagine que non. J'essaie de mettre des petits coups d'attaque classiques. Boum. 58 points de vie. C'est pas grave de prendre des dégâts. Collection de slime. Ah, il y avait une collection de slime aussi à faire. Mais attendez, j'ai énormément de gold. On va aller à la boutique. On en ouvre 9. Enfin, on en ouvre 10 pour 900. Oh, j'ai eu un objet bleu. Alors, je vous montre ce que je viens d'avoir. Plus de dégâts 2. Tirer. Plus de santé. Plus de dégâts. Tirer. Plus de dégâts. Squish. Ok. Tirer. En vrai, le plus de dégâts m'intéresse, forcément. On va prendre ici le plus de dégâts qui va remplacer le plus de dégâts classique. Le tirer, je m'en fous. Est-ce que je prendrais pas un squish? Genre, est-ce que je peux mettre deux squish? Je pense que oui. Ah non, je peux pas. Ah, je peux pas mettre deux squish. Mais par contre, est-ce que je peux mettre deux attaques? Ah oui, on peut mettre deux attaques, mais pas deux squish. Donc là, on va ouvrir ça. On va prendre ici une taille pour pouvoir sauter. Donc là, j'ai plus de santé, plus de dégâts. Mon attaque est pas mal. On va voir un petit peu ce que ça donne. Oui, 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 ça c'est bien. Hop. En plus, on a 127 points de vie. Ça commence à être solide. On récupère pas mal de gold. Je tape un petit peu sur tout le monde. Vous devez d'abord vaincre le boss. Ouais, 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 t'inquiète pas. Oh, j'ai mes 2 mg, j'ai mes 2 mg. On va y aller. Attendez, on va essayer de finir un petit peu ces petits slime ranch là. Je sais pas ce que c'est. Oh non, mais j'attirais les slimes de moule aussi. Est-ce que si j'attaque le boss, les autres vont me désaggro? Apparemment, non. Je suis trop proche. Je suis tellement grand que... Ok, faut pas rester près de lui. On essaie de kite un petit peu quand c'est comme ça. Voilà, on recule, on attend là-haut. Ok, on recule. Après, c'est vrai que j'ai le dash, j'ai le dash, j'ai le dash. Oh là là! Hop, on recule. Je l'ai eu encore! Oh là là, mais trop simple, trop simple, trop simple. Je peux pas récupérer les petits trucs? Si, je peux récupérer les petits trucs tranquilles. Et on va changer de zone. On est où? Ah, mais... Oh, ok, on était clairement dans la boîte de Pétri, du coup. Et ben là, on s'échappe de la boîte de Pétri. Mais on est tellement petit. On est dans une chambre. Petit PC portable, le lit. Oh là là, ça va être la zone de boss de fin. 1 gramme. On me demande de faire 1 gramme. Ok. Oh, regardez le poids, comment on gagne le poids super vite dans cette zone. Ah oui, clairement, faut changer de zone dès que vous avez la possibilité. Et on me dit d'aller là-bas. On me dit d'aller là-bas. 750, un coffre. Et là, regardez, je peux récupérer justement des niveaux supérieurs. Je peux ouvrir un coffre. Je peux tenter d'avoir du niveau 3. Let's go, le niveau 3. Coup critique. Ok, coup critique, ça en prend. On va peut-être se faire un build épais alors. On va retirer le squish. x3 le coup critique. Ok. Ça me plaît ce que je vois. Ah, on peut récupérer des diamants comme ça là? Ah oui, au calme. Alors attendez, d'abord on va essayer de farmer un petit peu la taille avant de pouvoir s'attaquer aux autres parce que eux... Oh non, si, on fait mal, on fait mal. En vrai, j'aurais dû juste bourrer tout de suite. Ah oui, non, non, clairement. Et regardez-moi. Oh, le poids que je prends. Ah oui, je grossis à vue d'œil. Oh là là, le tacos. Regardez-moi ça, comment je grossis. Ah oui, si j'arrive à mettre un crit, je les défonce tellement vite. Un petit crit. Même sans crit, j'arrive à les avoir. Allez, faut qu'on grossisse. Oh là là, le crit. Le crit. On récupère des golds. C'est combien les golds? Ah, on récupère 100 balles à peu près par ennemi tué. Oh là 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 là, vous pouvez commencer à bourrer là. Oh, le build attaque coup critique qui paye. Oh oui, 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 oui. Oh, le jeu du clic. C'est le jeu du clic. Aïe, 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 mais quel plaisir. Regardez-moi ça. 376 PV. Oi, oi, oi. Je prends des niveaux à chaque fois.
Par contre, on en parle du 1 gramme que je dois atteindre. Lui, il est plus brillant que l'autre, non? Oh, je lui ai mis... Oh, je leur mets des crits. À tour de rôle. Allez, qui est-ce qui veut son petit crit, toi, là? Bam. Oh, la vache. Je les two-shot, maintenant. Et je les one-shot avec un crit. Parce que vu que ça fait x3... Ok, on commence à bien grossir. On a pas mal de thunes. J'hésite à aller ouvrir 10 coffres d'un coup. C'est 6750. Ok. Let's go pour les 6750. Allez, je finis cela, vous voyez, je me suis fait 6700 gold. Ça m'a même pas pris une minute. Honnêtement, ça se farme bien. Hop, on essaie de récupérer quand même tout ce qui est taille et gold que j'ai pu farmer à la sueur de mon slime. J'en ouvre 10. Let's go pour l'ouverture. Du bleu, coupe. Oh, plus de santé, 3, coupe. Ah, c'est quoi coupe, du coup? Ça, c'est une nouvelle attaque que j'avais pas. Est-ce que ça vaut le coup? Peut-être qu'on utilise après des diams pour ouvrir un slot de plus. Plus de dégâts. Et le fait que je l'avais déjà... Est-ce que ça me redonne quelque chose? Ah, c'est 1200. Attendez, on va utiliser le plus de santé qui va remplacer celui-ci. Paf. La coupe, c'est quoi? Fais un coup rapide devant toi, infligeant 250% de dégâts à l'ennemi. Ça m'intéresse pas plus. Par contre, oh, je peux mettre deux fois le plus de dégâts. Clairement, là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Oh oui, ma vie, regardez. Regardez ma vie. Oh oui, je one-shot tout, là. Oh, le plaisir du one-shot. Oh, je fais tellement de dégâts. Ah, mais c'est vrai qu'il va falloir aussi que je trouve les slimes, comme tout à l'heure. Il y avait un truc où il fallait que je trouve des slimes. Ça me donnait des petits bonus. Je sais pas trop ce que c'était, là. Collection de slimes, on va regarder. Sur l'étagère. Est-ce que je suis à l'étagère? Je dois être sur l'étagère, je pense. Est-ce que lui, je peux aller la voir? Ah, c'est un slime bleu. D'accord. Je pensais que c'était un ennemi depuis tout à l'heure. Le boloss. On récupère un peu de poids ici. Oh là 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 là, regardez-moi ça. J'empêche les autres de farmer. Tu ne pourras pas farmer. Je suis ici. Je suis le boss de cette zone. Excuse-moi, je m'emporte un peu. Ok, on a 4000 balles. Ah oui, ça revient vite les 4000 balles. Ok, des slimes de fourmis. On est parti pour grossir encore. Fais gaffe aux zones. Pas grave, on tape ceux de derrière. Un petit crit, un petit x3 là. Tac, tac, tac. Voilà. Oh, le slime band de caoutchouc. On a fait un quart là de ce que je dois aller chercher, les 1 gramme. On est en train de farmer du slime de fourmi à balles pour devenir le plus grand slime et avoir... Je pense qu'on va à la fin avaler la fille hein, ou le garçon qui est qu'à l'ordinateur portable. C'est notre mission. On pourrait racheter du x10. Je pense qu'on va se racheter un petit x10. Comment je vais réussir à récupérer les cristaux? Parce que là, je suis à 306. C'est éclaté au sol. Alors, on ouvre x10. Qu'est-ce qu'on a? Tirer. Ok, bonus de taille. Tiens, ça... Oh, on a de la régène de santé. Coup critique x3. Enfin, pas x3, mais 3. Bonus de taille plus 180%. Ok. Oh, on a une régène de santé bleue aussi. Il y a des bons trucs. Oh, on a un tiré niveau 3 et un plus de santé niveau 3. Oh là 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 là. Non mais attendez. Là, je fais comment? 1200. Là, je fais 2,19 en dégâts. Déjà, le coup critique, on peut le passer ici. Ah, ça reste à 2,19. Mais ça me donne un bonus de taille. Je pense que je vais rester là-dessus. Hein. Si j'avais pu débloquer un autre, peut-être que j'aurais pris encore plus de dégâts. Parce que j'ai l'impression qu'en termes de barre de vie, ça va bien. Ça se passe relativement bien. On va voir, hein. Ah ouais, on fait des bons dégâts là. Regardez-moi ça. Si j'arrive à lâcher un petit crit, je les one-shot. Sinon, il me faut quoi? 3 attaques? Ouais, parce que je fais 9k. Je fais 9k sur un coup critique. 9-7. Sinon, je fais 2,45. Donc là, on essaie d'amasser un maximum de poids pour reprendre la barre de vie. Ouais, est-ce que je récupère de la barre de vie si je fais rien? Ouais, je crois, hein. On va dire qu'on fait quasiment la taille du nerd. On va pouvoir avancer, chercher le farming de nerd. C'est la baston. Farm un petit peu les fourmis. Oh, j'ai pris un coup, là. J'ai pris un truc sale. Ah ouais, clairement, j'ai pris un truc sale. Je vais l'exploser. Attention. Wow, j'ai repris des dégâts.
Aïe aïe aïe, je gride un peu, hein. Là c'est la gridance. Attention à trop grid. Un gramme. Oh, on a pris l'un gramme. Attendez, j'ai encore envie de farmer quand même là. J'aimerais bien récupérer les petits slimes spéciaux. Je suis où? Oh, oh le bug. Je suis revenu en hauteur. Un gramme requis. Château de l'étagère. Mais non, mais il me manque tellement de slime sur l'étagère. Ça, c'est un slime? Ah, c'est le slime liquide. On a pris 35 grammes. Donc, comment ça, on a pris 35 grammes? C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. On peut pas prendre 35 grammes comme ça. On gagne quand même pas mal. L'air de rien. On a 13 000. Je pense que j'ai pas vraiment d'intérêt à aller chercher plus que ça. Oh, vu, vu, vu. Le slime de cristal. Il me manque quoi encore en slime du coup? Parce que là, il me manque 4 slimes encore ici. Après, j'ai eu le meilleur, le slime de cristal. Mais là, il me manque 4 slimes. Mais ils sont où, frérot? Est-ce que ça, c'en est un? La fiole? Non, c'en est pas un. Ah! C'est pas un slime, ça? Si! Slime de plastique! Nice! On a eu le slime de plastique. J'essaie de regarder où est-ce qu'il pourrait en avoir. Oh, il y en a un au-dessus! Comment je peux faire pour l'avoir, celui-là du dessus? Faut que je remonte? Vaincre le boss. Parce que, à mon avis, si je saute de là-haut, je peux avoir ce slime-là qui est transparent. Regardez, c'est écrit téléportation. Retourner au spawn. Retourner au spawn. Comment je peux faire? Ah, mais il y en a un autre slime transparent. Oui, slime de verre. Oui, slime d'air. Donc là, il m'en manque plus qu'un. Aucune idée de où est-ce qu'il est. Ah si, il n'y a pas un truc noir là qui est caché derrière? Ah non, c'est des slimes de souris, ça. Ah, de souris, de fourmis. Ça, c'en est pas, hein, cette boussole, non? Bon, si vous l'avez en commentaire, dites-le moi. J'irai le chercher plus tard. On va essayer de se faire le boss. On backstab. Oh, regardez-moi ça, les coups qu'il prend. On backstab, on prend sur le côté. On flanque. Oh là 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 là, c'était tellement simple. Let's go, troisième zone. Oh, je me sens encore tout à fait petit. Aïe 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 aïe, on est où? Le bureau qui est là-bas? Ah, on est au niveau de l'ordinateur. Ah oui, on était au-dessus. Ok, ok. Il y a un petit slime jaune. Oh, ça... Oh, oh non, mais ça, ça met trop bien. Regardez le poids que je prends là-dessus. Oh là là. Ah, c'est eux qui me donnent les gemmes. C'est les slimes bonus. Ah oui, donc ce serait vraiment important que j'ai le dernier. Ça aussi, c'en est un. Le slime de livre. Donne-moi du poids, bébé. Donne-moi du poids. Non, mais attendez. C'est quand même la seule fois de ma vie où je vais dire j'ai envie de prendre du poids. Qui dit ça dans la vraie vie? Personne. Peu de gens, en tout cas. Ah, oh, c'est un marqueur slime. En fait, ils sont tellement bien cachés. Ah oh, oui, tu prends bien du poids avec les slimes araignées, là. Je dois faire combien? 100 grammes. Mais 100 grammes, ça commence à être gros, là, quand même. Ah, mais c'est sûr, à la fin, j'avale la voisine, hein. Oh, les dégâts, les dégâts, les dégâts. On a pas mal de gold. On va regarder le prix que ça coûte. On va aller prendre un x10. Ça vaut le coup quand même. On écho un peu. C'est 32 400. On n'est pas si loin que ça. On pourra récupérer du niveau 4, du niveau 3 et du niveau 2. Je croise les doigts pour avoir du niveau 4. Et du coup, on va avoir des nouvelles choses ici. On va avoir ici poignard, coupe, tirer, squish, vitesse de déplacement, temps de recharge rapide. C'est pas mal, temps de recharge rapide. Et puis, il me faudrait surtout un nouveau slot pour être bien... Il me faudrait un nouveau slot. Donc pour l'instant, je pense qu'on va rester sur les slimes araignées. Et on va aller chercher la thune. Et on va se faire le petit opening. C'est bon, on a les 32 000. En fait, ça va quand même assez vite. Parce qu'on récupère quasiment du 500 gold. 400, 450, 460, vous voyez, gold par kill. Donc ça va, ça monte très très vite. Sachant que, bah regardez, je fais déjà quasiment 8 grammes. Donc bah ça monte bien. J'aimerais bien juste trouver d'autres slimes. Oh, j'en ai vu un. J'en ai vu un. Ah non, c'est un slime crayon. Oh, wow. Attends, les slimes crayons, ils donnent combien en thunes? 38 300, 38 300, je passe à combien? Je passe à 39 100. Ok, ça donne pas mal aussi. On va regarder ici. Allez, c'est parti pour l'opening x10. Qu'est-ce qu'on chope?
Temps de recharge rapide 3. Temps de recharge rapide 3. Temps de recharge rapide 3. Non, non, non. C'est pas possible. Je vais faire que du temps de recharge. Coup critique. Coupe. Squish. Squish. Et poignard. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais regarder quand même ce que c'est. Temps de recharge rapide. Ça peut être fort. Augmente la vitesse de recharge de 14% de la capacité. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup 14% face à un truc qui m'augmente les dégâts de 55%? Je suis pas sûr. Je suis encore loin des 1200. Aïe, aïe, aïe. Et ça, quand c'est écrit 7, c'est-à-dire que j'en ai 7 des trucs comme ça? Ah ouais, c'est ça, hein. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait quand on en a plein? On peut les vendre? Bon, et bah apparemment, je ne peux pas les vendre. Donc, il va falloir qu'on farme ici des cristaux. Ça aurait été bien de pouvoir les vendre pour récupérer des cristaux derrière. Et bon, après, j'imagine que tout le modèle économique se casse la gueule. Oh là là, on a fait déjà un dixième. Les 10 grammes, let's go! On essaie un peu de tout récupérer. Quand même dommage. Ah, ça disparaît au bout d'un moment en plus. Ah oui, donc il faut vraiment récupérer. On va bien avancer. Ouf, ça va être chaud. Ça, c'est un slime? Ah, c'est le boss! C'est le boss du game! Est-ce que c'en est un? Oui, le slime autocollant! Je sais pas que je pouvais grimper comme ça. Oh, il y en a un transparent là-bas. Vu. Le slime de la fenêtre. Je peux pas. Comment ça? Oh non! Comment je fais pour aller chercher le slime de la fenêtre? Je me fais attaquer! Ah, un slime café! Non! Laisse-moi tranquille, le slime! Laisse-moi! J'ai vu qu'il y avait des petites boules vertes assez grosses là, si je monte sur le crayon. Alors peut-être. On essaie de pas prendre un coup. Y'a rien, y'a pas un slime dedans. Oh, y'a pas de slime dedans, non. Ils sont où les slimes? Bon, on va se faire encore un petit peu d'araignée, puis je vais passer au suivant. On fait 15 grammes, 15 grammes, je pense qu'on peut aller affronter un petit peu des crayons là. Ouais, ils ont l'air d'être assez faciles à esquiver. Il suffit juste de se mettre à côté de la zone. Par contre, il y en a qui tirent. Ah oui, il y en a qui tirent. Faire gaffe aussi à ça. Allez, on refait un petit opening. J'espère avoir des trucs sur mon build. Temps de recharge, éclaté. Plus de dégâts, 2. Non, temps de recharge, 3 encore. Oh non. Allez, on veut du niveau 3 ou du niveau 4. Vitesse de déplacement, c'est pas mal ça. Et plus de dégâts. Aïe, 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 aïe. Je crois que j'ai rien pour moi. Hein. C'est où je retire le coup? Ah si, le plus de dégâts. Hop. On peut équiper ça, on gagne un petit bonus de taille. J'hésite à prendre le déplacement plutôt que ce plus de dégâts là. On a un bonus de taille. Alors je sais pas exactement ce que ça me donne le bonus de taille. Ils me disent que ici j'ai les boules minces plus grandes des ennemis. Après il y a poignard. On peut avoir quand même une petite attaque. Fais un coup devant toi infligeant 50% de dégâts aux ennemis. Je vais tenter les capacités. Est-ce que c'est long? On va regarder. Hein. Ah oui, on one shot par contre. Hein. En vrai, ça vaut peut-être plus le coup que le critique. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il y a l'autre qui... Ah ouais, on fait 80 000 de dégâts. Ah, c'est fort. Par contre, je me pose la question, est-ce que poignard over le coup d'épée? Je suis pas sûr, hein. On va peut-être tenter coupe. Je vais voir coupe. La coupe, ça a l'air de faire pas mal de dégâts aussi. Par contre, c'est juste long en termes de rechargement. Et vu que je peux pas ouvrir des nouveaux slots, bah c'est juste FF, quoi. Regarde les dégâts. Bah, je fais des dégâts, mais bon. Je sais pas si je préfère coupe ou le coup de poignard qui one-shot. Je prends cher. Oh, j'ai pris 1007 de dégâts, là. En fait, ça peut me permettre de taper 3-4 personnes qui sont en face. Histoire de farmer un peu plus vite. Mais je m'expose beaucoup plus parce que j'active beaucoup plus d'ennemis. Ah, j'ai été vaincu. Je pense que c'est un peu greedy. J'ai presque envie de revenir sur de l'attaque. Hein. Plus que ça. Hein. La capacité active, je sais pas ça non plus quoi en penser. J'ai pas un plus de dégâts. J'ai qu'un seul plus de dégâts. On va prendre le coup critique. Sinon après on passe sur du niveau 2. On a du déplacement plus rapide. Alors je sais pas si ça va valoir le coup. Je prends quand même cher. Hein. Attends, on voit pas très bien les zones. Oh, il y avait un slime métallique.
On voit pas très bien les zones parce que ils sont rouges. Ah ouais, je me fais défoncer en fait là-bas dans la zone. Ah, où est-ce qu'on en est dans la collection de slime par contre? Ici, il me manquait un gemme 70, gemme 50, gemme 100. Comment est-ce que je peux avoir ceux de la fenêtre? Attendez. Comme ça, vous montez à l'écran, vous sautez ici. Yes, slime de papier. C'était que 50. Donc ça veut dire qu'il me manque le 70 et le 100. Le 100. Il est où le 100? Le slime 100. Je prends un peu de hauteur, j'essaie de voir. Est-ce que je peux aller m'accrocher sur la lumière? Ah, il y avait un slime en poule qui était caché dedans. Ok, on a eu le 100 et le dernier, je vous avoue que le 70, là, je le vois pas. Il m'en manque un encore, comme la dernière map. On va tenter le boss. Oh, c'est le disco. Est-ce qu'il attaque? J'ai l'impression qu'il attaque dans l'autre sens. Il est où? Ok. Tombe. Attention à l'attaque. Allez. Hop, c'est bon. On l'a eu. Il me manque quelques gemmes. Et là, on va réussir à avoir assez pour débloquer un nouveau slot. 1002. Let's go. On peut ouvrir. On va ouvrir un nouveau slot. Ah bah, c'est dans l'inventaire. Excusez-moi. Nice. Donc là, qu'est-ce que je pourrais mettre qui serait intéressant? Je pourrais augmenter ma santé. Pour l'instant. Ah, oh, je suis tombé. Je suis tombé, il y a des... Quoi? C'est des slime souris, ça? Ok. Est-ce que je gagne beaucoup? Je dois faire combien? 5 kilos! Oh oui, non mais là, c'est trop 5 kilos. C'est un slime. Slime chargeur. Ouais, 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 ouais. Oh, attendez, ils veulent vraiment que j'aille à la boutique. C'est combien? 108 000. Dac. On va essayer d'aller chercher le slime. Ah, c'est pas un slime, ça? Ah, c'est pas un slime, ce qui est en dessous. Par contre, ça... Oh, slime poussière, 50 gemmes. Oh, sac de poubelle. Je l'avais pas vu, hein. Vraiment pas. Moi, je voulais juste monter sur le balai. Faut aller sur la commode. Ah, c'est tricky le balai. C'est tricky. Faut y aller doucement. Ok, c'est passé. Oh, le slime ordinateur. 35 gemmes. Là, il y en a pas un dans le paquet de mouchoirs, là? Si, slime tissu. Ah ouais, il en reste encore beaucoup, là. Par contre, j'ai eu celui à 70. Il me manque le 100, le 70, 50, 50. Donc, il me manque 270. Il me manque 305 gemmes. Ok. Il n'y en a pas un sur la chaise. Ça n'a pas l'air. C'est la chaise de Gabers. Ah oui, regardez. Là-bas, il y en a un. Il a déjà un truc doré. Ah oui, monsieur se met bien. Il n'y en a pas dans le lit. Et de regarder. Ok, peut-être ici le gris là. Le réveil. Slime Avis. Ok, 50. Oh, ça régène vite ici. Comment je fais pour monter là-bas? Je peux monter sur le mur? Je suis pas sûr. Ah ouais, la chute. La chute du slime français. Allez, on a suffisamment de gold. On va essayer d'ouvrir un petit shop et voir ce qu'on a dedans pour la suite. Allez, un petit x10. Squish 3. Squish 3. Oh, explosé! Niveau 4, je sais pas ce que c'est explosé. Ok, on a du multicast. On a du plus de dégâts 3. Explosé 3, poignard 3, poignard 3 et tirer 3. Attendez, on va essayer de regarder un petit peu ce qu'on a. Inventaire. C'est quoi ça? Inflige des dégâts à tous les ennemis autour de toi pour 500% de dégâts. J'aime bien le fait qu'on tape autour de nous. Ça me paraît... on peut tester. On tente ça. C'est quoi le multicast? Ah ouais, c'est pour lancer des capacités plusieurs fois. On équipe... Comment ça? Je peux pas équiper le... Ah, parce que c'est une capacité. On va continuer à augmenter. On va augmenter les dégâts. Je vais peut-être retirer un soin. Et on tente un multicast. Après, c'est pour juste pour tester, voir ce que ça donne. On va tenter de voir ce que ça donne exploser. Alors, qu'est-ce que ça donne exploser? On va déjà essayer d'aller voir dans les souris là-bas. Ah oui! Ah, par contre, 20 secondes.
20 secondes. Et honnêtement, un explosé qui se casse plusieurs fois, est-ce que j'ai un vrai intérêt? Je suis pas sûr. Ouais, peut-être que je réduise un petit peu la... le CD, le cooldown dessus. On va tester ici, voir ce que ça donne. Ouais, je mets que mid-life. Hein. Mais après, ça veut dire que pendant 20 secondes, quasiment, je suis en mode je ne bouge plus. Où j'esquive tout, j'attaque pas vraiment, je fais des tout petits coups de bâtard là, en loose dé dans le dos. Enfin, de bâtard. Peut-être pas vraiment parce que je suis quand même dans la mêlée, mais... Bon, le fait d'avoir perdu la moitié de mes points de vie, ça se sent que ça vaut vraiment le coup de la jouer comme ça. Je suis pas sûr. Ça peut être une strat quand même. On peut tenter dans l'inventaire, on va regarder. Plutôt qu'un multicast, on va aller prendre un truc qui va faire temps de recharge, 9%. C'est-à-dire que je vais gagner quoi, 2 secondes? Un peu moins. Mais là-bas, là, c'est sûr et certain qu'au-dessus, il y en a un. Mais comment tu fais pour aller? Oh. Alors peut-être. Allez, est-ce qu'on peut le faire quand même là? Pour le grand fan de la victoire? Oui, on l'a fait sur le côté! Ok, donc je pense qu'il faut être assez grand pour le faire. Est-ce que je peux avoir mieux que ça? Genre la poignée là? Ça a pas l'air, ça a pas l'air. Il me manque un truc. Il me manque le 35 et le 70. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont. Bon, on a re 110 000 balles. Et là, honnêtement, j'espère pouvoir avoir quelque chose de bien dans les coffres. Poignard. Coupe. Allez, coup critique. Vitesse de déplacement, j'ai déjà mieux. Temps de recharge, 4, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? Multicast, plus de santé. Allez, du niveau 4 encore, s'il te plaît. Ou mieux encore. Et non, plus de pièces. Ah, c'est pas mal pour farmer, les plus de pièces. Squish. Multicast, ça m'intéresse pas. Plus de dégâts, nice. Ça, c'est très très bien, le plus de dégâts. Allez, allez encore. Quelque chose d'intéressant, s'il vous plaît. Plus de dégâts. Vitesse de déplacement, ok, j'ai déjà. Et pour finir, régénération de santé. La régène de santé, ouais, c'est pas trop mon build. Et si je retire un crit... Attendez, on va chercher un truc. Plus de gold. Double gold, ici, plus de dégâts. Alors, reprends juste un build full dégâts. Je teste, hein. Genre sans crit, juste des dégâts. Et comme ça, je sais combien de coups il faut que je mette. Ok, je fais 188. Par contre, je gagne combien de gold? Ah ouais, 23 000 gold, là. Je me suis mis en spé farm. Ouais, 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 on en fait des golds, là. Un petit peu plus long pour tuer, mais beaucoup plus rapide pour faire des golds. Donc, c'est ce qui me rapporte, hein. Bien sûr, on a le poids aussi. Enfin, le poids. Faut que je monte à 5 kilos, mais... Hop, on esquive, on tape. Je fais un peu moins de 200. Vous voyez que j'arrive à monter à 200 000 de dégâts par hit? What? Ah, il a fait une hour. Je suis à 180... Merde, je me suis loupé de cible. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça, c'est bon. On récupère du poids. Ah mais regardez l'autre, comment il est full légendaire! Ça a craqué de la thune, là, c'est sûr! Comment tu fais pour être déjà full légendaire, mec? Et là, on s'est quasiment refait encore de quoi ouvrir un 10 coffres. À mon avis, le build farming gold, ah, il fait 5K, là. Il est en train de taper le boss, on voit. Il va très, très vite. J'ai pas vu, c'était combien l'ouverture du prochain slot? Poignard, régène santé. Aïe, 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 on récupère rien sur une grosse rareté. Ça dégoûte. C'est le gacha. Et que de la merde! Ah, je suis un peu d'aigle. Par contre, après, les Lego, je peux les trichot. Est-ce que ça va vite? Beaucoup plus safe. Tu les trichot et t'y vas, quoi. Plutôt que d'aller taper les abat-jour. C'est pas mal, ça. Hein. Regardez-moi ça. On se refait quasiment les 100 000. Parfois, ça vaut peut-être pas le coup hein, d'aller taper les trucs trop gros. Là, je gagne un bon poids. Je pense que la bonne technique, ouais, trichot, c'est bien. Hein. Trichot, ça me permet vraiment de farmer d'une façon efficace. Par contre, là, j'ai tapé un abat-jour. Ah, j'étais. Par block slime. Ah oui, il y avait un block slime qui m'attaquait derrière. Mince. Hey, j'aimerais bien avoir un gold. S'il vous plaît. Ouvre-moi un gold. Plus de dégâts 5. Let's go. C'est exactement ce que je veux sur mon build. Oh là là, la chatte. Allez, encore un. Allez, encore un. Là, on a pas mal de niveau 3. Un petit niveau 4. Un petit violet. Un petit violet, s'il te plaît. Je veux du lage, sinon. Non. Mais il me reste encore un opening. On croise les doigts pour du niveau 5. Ou du gold. Ou de l'augmentation de dégâts. Plus de dégâts 3. Plus de pièces 3. Moi, c'est du niveau 4 ou 5 qu'il me faut. Squish niveau 4, ça m'intéresse pas. Temps de recharge. Niveau 3. Et. Oh, plus de pièces niveau 5, let's go! Ça, c'est 190 pièces, alors que là, c'est 80. Ah oui! Ah oui! Et là, on va voir la différence.
Regardez, je suis à 25 000 gold. On va voir. Oh, je prends 10k gold. Allez, je les two shot. Ah oui, non mais là c'est du vrai farming. Là c'est du vrai farming. Là ça déconne plus. Oh, regarde-moi ça. On va tester le boss du coup. Oui, le boss. Oh, on fait tellement mal. Regardez les dégâts qu'on lui met. Si simple. Si simple. Est-ce qu'on peut refaire le boss pour récupérer des diams? Oh, je pense pas. Regardez-moi ces dégâts que je lui mets. Ah, mais il donne rien. Aïe, 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 aïe. En vrai, je peux aller à la prochaine zone. On va regarder à quoi il ressemble. Et je vais farmer un petit peu pour vous montrer de quoi on est capable pour la prochaine fois. Si ça vous intéresse, je ferai une deuxième vidéo sur le jeu. Le jeu est très, très cool, honnêtement. Si vous avez des jeux à me conseiller sur Roblox, bah faites-le savoir en commentaire. La zone est assez cool. On a un petit diams ici. Et il y a combien de slime à aller chercher? On a ici pas mal de slime. On en a 10, dont 1 à 100 et 2 à 70. Aïe, aïe, aïe. Ah, attendez, je peux aller dans le couloir. Ah oui, je peux aller dans les escaliers et tout. Aïe, aïe, aïe. Ok, on va pouvoir farmer tranquille. Et encore, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine, c'était Wendy. Ciao, ciao. Et pensez à vous abonner si vous voulez me soutenir, bien entendu. Bye, bye.